Moi, c'est Jean-Baptiste qui a salué nous depuis studio 4 la voix d'Amérique à Washington DC et jeudi à ce mercredi 28 août 2024. Nouvelle York. Ici aux États-Unis, avocat spécial qui a enquêté sur effort ancien président Donald Trump a fait pour changer le résultat de l'élection 2020, modifier plainte déposée contre ancien leader américain. 9 moun mouri pou bibiti nan nouvo atak fòs Izraelyen yo lanse nan yon kan nan teritwa Gaza. Et bien Haïti, 3 moun konsey prezidansyèl transisyon repòn kesyon unité de lut kont korupsyon sou eskandal kout lajan an echange yon pòs nan Bank Nasyonal de Kredi. Se pou sa va avèk lòt nan ap devlopè pou jodi a nan jounal spesyal sa, jodi a se merkwedi 28 août 2024 nan nouvèl yo, avokat spesyal ka poursuiv prezidant Donald Trump, ansyen prezidant Ameriken, pou tentative ilegal kote li ta chache renverse rezultat eleksyon 2021, ben li depose yon lòt plènt avèk modifikasyon la dan, nou pa jwenn vale yo sen lui depi vin New York. En attendant nous parler avec Valérie Saint-Louis et pour nouvelle yo nous capable peut-être poursuivre avec l'autre point qui censé dominer actualité à pour BBT. Sept Palestiniens mouri dans une gros opération l'armée israélienne a lancé dans Cisjordanie dans même moment que litige entre Israël avec Liban pour qu'on suspende. Nous va jeune gentil Augustin Junior pour plus de détails. Sur réseau social X, l'armée israélienne publié jeudi mercredi 28 août 2024 là une déclaration qui dit li commencé une opération pour faire face carré terroriste dans Jenin, Tulkam et Toubas dans Cisjordanie. Dans attaque ça, gain au moins 7 moun mouri. D'après sa ministère santé palestinien que groupe Hamas a dirigé fait connaître. Li te ve deze nan matin. L'armée Israël te attaqué camp réfugié a ak yon paquet soldats à pied. Yo fouye tout quatre coins camp. Nou te saisi. Yo attaqué zone sa, 4 moun mouri et environ 10 lot blessé. Attaque sa, c'est yon pi gro attaque ke moun jamwe nan Cisjordanie. Depuis plusieurs mois, après une série d'attaques dans la zone, dans la semaine qui s'est passée, pendant que les forces israéliennes ont cherché à écraser le groupe combattant qui sortit dans le groupe militant Hamas. Dans une vidéo, ou kawe bulldozer kap krasé route nan Tulkam nan Cisjordanie jodi mercredi 28 daout la ak présence machine l'armée israélien palestinien qui sorti kan Younis nan Gaza rassemblé nan l'hôpital Nasser jodi mercredi a côté yo t'a prié pour moun ki mouri nan attaque l'armée Israël la nan lan nuit lan. Yon l'autre côté après force spéciale israélien yo t'a sauvé Kaïd Faran Al-Kadi nan yon tinel nan sit Gaza Freli Ismail Al-Kadi di yemadi 27 daout la ke fami an t'a prié pour li et maman li pa ka rete tan pou wè li. Mwen pa ka montre jan mwen kontan. Mwen espere ke maman a pi kontan pase nou. Nou te priye pou li. Maman te priye pou li plis toujou. La priye li te rive nan siel la. Liberasyon Al-Kadia kite 108 otaj Israelien ak etranje toujou nan Gaza. Alos ke environ yon tiè nan yo ta semble mouri. Epi yo pa konnen so res yo. Pendant temps ça, litige entre l'armée Israël et Hezbollah dans Liban poko suspend. L'armée Israël l'a dit hier mardi que soldat li yo identifié yon cellule terroriste kap opéré nan yon estrikti militaire Hezbollah nan région Odaïsé nan sid Liban. Li frappé estrikti ya et puis éliminé cellule là. Hezbollah te tiré roquette ak drone sous base militaire israélien dimanche 25 d'août passé ya pour te tirer revanche sous l'armée Israël là qui t'a touyé youn pi gro commandant li mois passé et avion israélien t'a visé à peu près 40 bases lancement roquette dans Liban c'était youn nan
pi mauvais boukantay kou d'zam ki fèt ant l'ennemi ameyo depi la guerre Gaza a te commencé, sa gen plis passé 10 mois. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil. N'a pas tenu à New York côté que avocat k'ap poursuivre ancien président Donald Trump pour effort qu'il te fait pour te chercher renverser résultat élection et 2020 yo, et bien avocat déposé yon l'autre plainte avec modification dans chef d'accusation yo, Noa Genevard de Saint-Louis. Hier mardi, la justice frappé ancien président Donald Trump avec une nouvelle accusation dans un document 36 pages qui gère rapport avec effort il a fait pour renverser résultat élection 2020 yo en faveur li. Nouveau accusation est arrivé joindre équipe avocat conseiller et spécial américain Jack Smith après qu'il ait été concentré approche légale yo sous cas pour raison de subversion électorale après que tribunal suprême américain ait pris décision que ancien président yo gain gros immunité contre poursuite criminelle. Conseiller et spécial Jack Smith t'est parlé pour le dire. Good evening. Bonsoir. Today, jeudi a un dossier accusation terrain public côté que li accusé Donald J. Trump peut-être li t'ai fait complot pour frauder les États-Unis et puis fait complot pour priver électeurs doyo pour yo voter et puis fait complot pour essayer empêcher déroulement yo procédé officiel. Accusation révisée te metté devant la justice même quatre accusations ça yo que yo t'ai porté contre Donald Trump année passée. Mais il concentré plus sur Wally comme un candidat politique qui a cherché réélection au lieu que comme président à l'époque. Nouveau document accusation qui remanié, pas gain la dan encore accusation que Trump a cherché fait pression sous le département de la justice américain pour renverser résultat élection. La justice retiré accusation ça un objectif pour qu'embe poursuite judiciaire actif. Après que le tribunal suprême ait décidé dans la date 1er juillet passé que yo pas capable de poursuivre Donald Trump pour conduire ça. Yon porte-parole département de la justice te dit que ka te présenté by un nouveau grand jury qui lui-même pas de content des preuves qui sorti dans dossier original. Avocat Donald Trump yo bon côté pa yo pas répondre demande pour faire aucun commentaire dans moment. Pour VOA Creole depuis New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis. Et bien après aller dans Maïnoyan, bien dossier ça, dossier Maïnoyan, et bien c'est un point qui s'est dominé campagne électorale américaine. On a parlé campagne électorale pour élection présidentielle novembre. On a ressenti près. Israël lance une autre attaque qui tue 9 monde pour vivre dans un camp réfugié dans le territoire Gaza. Normalement, négociateur a cherché joindre une entente cessez-le-feu pour retourner otages qui n'ont même militants amassio. Force israélienne a été libérée une parmi otages mardi 27 août là d'après le premier ministre Benjamin Netanyahu qui déclarait bienvenue la caillou Farhan al-Kadi. Compliment pour l'armée israélienne avec Shin Bet pour une autre opération sauvetage réussie. Notre travail sans prendre souffle pour nous mener tourner tout otage la caillou. C'est même message ça, vice-président Kamala Harris t'a souligné dans le discours pour t'a accepté nomination Parti démocrate là comme candidat pour poste président parti à semaine passée. President Biden and I are working to end this war. Biden Israel a moins à travailler pour mettre fin à la guerre ça, pour bâtir Israël sécurité, jeune libération otage, mettre fin à la souffrance population Gaza, une façon pour le peuple palestinien capable de vivre dans le droit avec dignité, sécurité, liberté et puis exercer le droit grand monde. À part de mandat comme vice-président, Harris n'a pas gagné aucune expérience dans la politique affaires étrangères. Conseil de sécurité nationale, c'est Philip Gordon qui était servi sous plusieurs présidents démocrates, tant que Bill Clinton, Barack Obama avec Joe Biden. Ça a montré tout que lui a suivi les que toute administration démocrate passée a été tracée. The vice president and the president have supported US military assistance to Israel, démocratique juif états-unien, déclaré vice-président avec président, supporter assistance militaire pour Israël, pas seulement accord qui déjà existait avec Israël, mais tout gagne une augmentation assistance année ça à cause des insécurités. Tout ça malgré arabes avec musulmans américains semblent progressistes avec jeunes démocrates qui réclament un embargo sur la vente d'armes à Israël. En même temps, Harris exprime plus sympathie pour souffrance palestinienne par ses président Joe Biden. We can't learn a lot.
Jonathan Reynolds, qui a pensé dans l'université Balland, qui était parlé avec VOA sur Zoom, déclaré, nous pas capable d'apprendre dans ça que Madame Harris dit je ne jeudi, parce que tout ça lui dit, c'est pour aider le remporter une élection et puis qu'un parti démocrate là uni. Comme parti démocrate là divisé entre monde qui gagne ses partis pour Israël, avec Silayo qui plus gagne ses partis pour Palestiniens, lui de faire déclaration de base ça, qu'on y est là. Comparé à Biden qui en pile fois présenté tête li comme un sioniste, Kamala Harris qui c'est petite fille un immigrant jamaïcain avec indien capable peut-être plus connait qui sa pep dans sud mondial la pensée. Natasha Hall qui travaille dans centre pour études stratégiques avec international et qui t'est parlé sur Skype déclaré li au courant façon reste monde là capable sentir concernant Moyen-Orient, concernant nouveaux colons, nouveaux impérialistes. Et il dit que lui vraiment espéré Harris gain opportunité pour mettre expérience ça yo ensemble s'il vienne président. Si Kamala Harris remporte l'élection en novembre, il pral héritier défi qui était devant président avant yo, tant qu'au conflit dans Moyen-Orient, il pral besoin monter propre politique affaires étrangères parle. Une affaire complexe qui intéressait en pile monde. Pendant ce temps, candidat parti républicain Donald Trump apparaît pour mener campagne dans Wisconsin et Pennsylvanie avant d'y faire débat à candidat parti démocrate là Kamala Harris. Parti oui, d'accord, soir, tu prépares un reportage ça pour ça, la nouvelle Voix d'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, t'es traduit et adapté pour VOA Créole dans Washington DC. Oui, nous parler dans pays d'Haïti, qu'on est là pour nous dire que le premier ministre haïtien Garry Conille visite les policiers qui étaient blessés pendant une opération force de l'ordre de terminer dans la plus basse Neg Ameo dans l'alentour capitale là. Nous parlons de Steven Arisil pour plus de détails. Je suis là parce que nous sommes dans quatre opérations. Il y a trois policiers blessés avec deux civils. Bonne nouvelle là, c'est que M. Yo est pris en charge. Je parle à tous les cinq de tout le courage. Histoire, je vous rapporte la vidéo que nous avons plusieurs qui prennent balle déjà l'opération. Nous finissons prendre balle, nous guérissons et puis nous retournons pour nous, pour sécurité PAM, pour sécurité PAM. C'est un niveau d'héroïsme extraordinaire. Et tout dit que c'est Tania Ptenio, surtout quand on est là pour retourner dans la bataille. Donc ce sont des jeunes engagés, mais qui comprennent la situation, parlent pour eux, et moi, je me suis vraiment inspiré et je vais aimer nous aider la population haïtienne, sacrifice qu'il y a fait. Nous-mêmes, l'État, responsabilité, nous, c'est pour nous accompagner les policiers qui prennent responsabilité pour nous. C'est pour ça que je dis à ma discussion déjà avec le ministre Finando. Oui, ça ne va le faire pour question de crime de risque. Ça ne va le faire pour question d'assurance pour eux. Ça ne va le faire pour supporter les familles ou les blessés comme ça ou bien leur mourir. Mais je profite de la population. Je suis fatigué de les policiers qui prennent balle. Je suis fatigué à l'enterrement policier parce que pour question de sécurité, il faut nous résoudre. Et résoudre le problème prend temps. Le problème prend patience. Le pape rapide. Mais nous ne pouvons pas faire back. Voilà, c'était déclaration premier ministre haïtien Garry Conille fait après il fait une visite policier qui était blessé pendant l'opération force de l'ordre qui était menée dans plusieurs quartiers Neg Ameo dans alentour capitale là. Donc premier ministre a parlé avec les journalistes et parmi eux et correspondant nous Steven Arisil qui était recueilli information premier ministre et donc que force de l'ordre était joint ensemble avec l'autre et agent que ce soit c'est et force kenyan yo avec l'autre unité dans présence avec l'armée d'Haïti qui était participé dans opération et cérébolon, mais opération cérébolon contre
Negameo côté nous le ta apporté que plusieurs parmi monsieur Sayo ou bien Negameo qui mouri pendant l'opération, mais tout dans camp force de l'ordre il y a un policier qui au même blessé pendant l'opération. Ça nous parler tout kounya là dans pays d'Haïti n'a toujours été n'importe où, presque des trois conseillers et conseil présidentiel et transition hein, eh bien qui nous ont cité dans un scandale coûte l'argent en bataille pour ancien directeur et Banque nationale de crédit à Takembe Posli sont affaire de 100 millions de goudes. Eh bien non conseiller ça et cité dans cause de ça. Eh bien non premier temps conseiller te dit au même yo pas exempt bien encore et ULCC, donc c'est unité de lutte contre corruption, pas gain juridiction sur yo. Eh bien après un pile pression, eh bien monsieur tous les trois accusés, eh bien yo te présenté devant ULCC côté de répondre question. Nous pas jeune Emmanuel pour plus de détails. Unité lutte contre corruption yo ULCC tendait ayem adian conseiller Smith Augustin, Louis Gérald Gilles et Emmanuel Vettilaire dans cadre dossier corruption BNC. Enquête ça fait suite à accusation Raoul Pierre-Louis, ancien président conseil administration BNCA, porté contre monsieur yo. Avant premier ministre Gary Conille révoqué, Raoul Pascal Pierre-Louis accusé trois conseillers ça yo le fait que yo mandé 100 millions goud pour conserver dans poste li dans tête BNC. Conseiller nié allégation yo pendant yo fait connait c'est une machination. Scandale a créé un gros malaise dans mitan conseil présidentiel transition. Gagne deux membres non votants qui réclamaient une enquête côté au souligner scandale arrivé dans un moment politique délicat ça qui capable fragiliser davantage conseil présidentiel transition. N'a souligné éminente personnalité CARICOM yo yo exprimé qu'est assez au gagné concernant allégation corruption ça pendant visite yo dans pays d'Haïti. Côté yo évoqué impact négatif sur processus transition qui en cours. Cependant, CARICOM précisé, il pas gain pouvoir pour demander remplacement membre CPT yo. Selon un source proche éminente personnalité CARICOM yo, objectif rencontre yo te fait avec CPT hein, c'est pour te capable comprendre tension potentielle entre membres conseil présidentiel là avec divers secteurs et puis tout clarifier allégation yo. Éminente personnalité CARICOM yo rencontré pendant journée mardi en tout différents secteurs qui gagne représentant yo cité dans scandale corruption ça n'a parlé de petite Dessalines accord 21 décembre ak Ederred compromis historique. Investigation a continué pendant que conseil présidentiel transition gagne un gros doute qui plane sous lit concernant dossier ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Sécurité tout l'ouvrir et jusqu'à présent enquête l'a mené, mais comme en principe en général enquête est toujours secret, donc pas grand-rien qui soutient dans l'interrogation mais encore dans les questions que responsable dans ULCC a posé trois membres conseil présidentiel transition pendant rencontre. Il y a là, n'a pas continué à la nouvelle, nous parlons dans la ville Cap-Haïtien, côté correspondant nous. Et Jean-Maxime nous dit nous, en fait, grand entrepreneur, et bien, monsieur lance son projet pour les côtés que les convertis et les créons de produits à partir du maïs. Et bien, son projet agricole que lancé dans un quartier qui tout près, ou bien une ville qui tout près, ville Cap-Haïtien, n'a pas eu de. Et Jean-Maxime nous parle avec plus de détails. Isine Maïsa dans limonade rive créé après alerte quelques organisations internationales te bail dans l'année 2022 qui t'a annoncé capable gagner près de 5 millions haïtiens qui pral dans situation gangou selon explication met Fayvet qui c'est propriétaire Isine ça te gagne alerte que organisation internationale te bail que te dit que gagne près de 5 millions haïtiens qui pral dans situation gangou. Bon, si on dit après, ça veut dire que nous prenons devant. Nous prenons devant, nous adresser problème là et puis nous dit ça qui ca porter solution, c'est manger. Or, qui ça que majorité côté dans pays a fait? C'est mari. Comme ça moi même ensemble avec mon partenaire qui est l'ingénieur Alex Saint-François, nous chita ensemble, nous faire conception un projet côté que nous dit c'est mari pour nous planter. Et puis avril 2023, non, pendant ma passe nos émissions haïtiennes à dehors pays, haïtiens dit oh non,
ou pas qu'à apprendre ça pour faire une activité sociale seulement. Pour qui ça nous pas font business? Mon cher, le jour même, dans l'émission radio, Haïtien de pays a investi 300 000 dollars américains dans le projet. Et puis c'est comme ça que nous commençons à planter. Et nous prenons à planter et puis l'idée transformée à venir. Et puis janvier 2024, ça veut dire à jeudi à juillet 2024, fait nous 6 mois. Ils n'ont pas produit 10 tonnes de maïs par jour. Mais à cause de difficultés techniques, ils n'ont pas arrivé à la capacité ça. Mais faites vite expliquer, ils ont déjà acheté nouveau matériel pour arriver à un niveau de production. Ils ont gagné la capacité pour produire 10 tonnes par jour. Mais nous ne pouvons pas arriver à ça. Là, nous gardons quelques lacunes qui font nous pouvons arriver à ça. Nous achetons un nouveau matériel qui est capable de permettre de nous arriver à produire ça. Et nous sommes capables de faire accassant tout. Et nous avons des machines pour faire accassant. Mais là, nous gardons tout, nous disons. À qui doit nous faire ça? Mon cher, nous faisons un système de filtrage que nous avons montré. Côté que nous gagnons capacité pour nous faire 1500 gallons d'eau par heure. Et nous sommes capables de faire 150 à 750 gallons à cassant avec une machine que nous gagnons. Harry Nicolas a déclaré, objectif c'est de faire 50 hectares de terre par mois. Nous plantons maïs sorti dans le nord-est, rivé juste dans le nord, et nous avons gagné un jardin dans la Tibonite qui s'est mis au balai. Et quand nous avons parlé à vous là, nous avons une offre de 150 carreaux de terre qui est à côté de la rivière, côté n'a pas planté. Objectif, nous, c'est de faire 50 hectares de terre par mois en maïs. L'usine Maïa a commencé à fonctionner dans le mois avril 2023. Dans la commune Limonade. Gira Maxino, Limonade pour la Voix d'Amérique. Avec mon qui aime manger maï moulin, tchaka et cham-cham avec maï. Alors, c'est quelques produits qui dérivent de maï. Nous allons aller avec nos nouvelles jeudi 28 août. Là, ça fait 4 ans depuis inconnu a été assassiné en Saint-Bartholomé, avocat Port-au-Prince. On a parlé de maître Montfrier d'Orval, Renan Toussaint. 28 août 2020. 28 août 2024 fait exactement 4 l'année depuis Nek Armé été assassiné. Maître Montferrier d'Oval, pendant tap entré la Kaili dans Pèlerin 5, Pétionville, tout près Kay, ancien président Jovenel Moïse. 4 l'année après, la justice haïtienne rete bébé dans le cadre d'enquête cap mené pour identifier et mettre en bas code tout le monde qui impliqué de près ou de loin dans l'assassinat tragique ça. Enquête qui t'a dû aboutir tout avec un procès équitable. Dans une conférence pour la presse mercredi 28 août 2024, l'organisation Nousse d'Oval, qui gagne en tête li, met Iswik Théofin, critiquer le fait que dossier pour Kounia n'a pas qu'un tribunal civil, première instance par le prince, pour réquisitoire définitif sans auditionner une série personnalité importante dans le cadre d'assassinat. Ce dossier est bâillonné. Le dossier, ce procès sera un procès bâclé. Si, bien entendu, le commissaire du gouvernement, un commissaire respectueux, un commissaire compétent, accepte de donner effectivement suivi ou sinon de faire ce qu'on appelle les réquisitoires définitifs et d'envoyer les dossiers par devant le tribunal pour pouvoir avoir un procès. Sans l'audition de ces personnes, ce sera un procès bâclé de toute forme. Maître Issuit Théofin dit Yap Goumen à travers structure Nousse d'Oval pour mettre Montferrier d'Oval capable de jouer justice comme ça doit. C'est pour cette raison, au niveau de la structure Nousse d'Oval, nous disons que nous opposons de la manière la plus rigide à cette décision prise pour des raisons que nous ne savons pas par le juge instructeur en communiquant les dossiers pour réquisitoire définitif sans, bien entendu, l'audition des personnes les plus importantes. Maître Montferrier d'Oval n'a pas rappelé
te prend naissance dans la commune Grande Saline, département de la Tibonite, 10 juin 1956. L'été bâtonnier l'ode à Vokabao, Port-au-Prince. Ou en Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous parlons de Kounia dans Chicago, côté une page de correspondant nous, Obed Lamy, qui lui même préparé un événement que Fondation et Jean-Baptiste Pentissa ont préparé sur un passé. About 25 years ago, some of my family was here for the tribute for Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Ça fait environ 25 l'année depuis quelques membres de la famille étaient présents dans hommage ça et ont apprendre Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, l'autre fin que mettait statue ça là. Moi voulais saluer Leslie Benaudin qui était fait ville Chicago cadeau statue ça, une façon pour reconnaître et préserver Kilti. Nous tout qui la connaît, juste ça important pour nous préserver Kilti. Sans ça, nous pas d'appel aujourd'hui. Samedi 24 d'août, la communauté haïtienne, diverses organisations locales et autorités dans l'État étaient réunies pour commémorer le 216e anniversaire de la mort de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, compatriote haïtien ça y reconnaît comme fondateur de Ville Chicago. Nous voulons assurer nous ne pas perdre focus sur Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Nous disons nous avons une mission, ça c'est exactement la mission. Parce que si nous suspendons de parler sur qui est-ce qui est fondateur de Ville Chicago, monde qui a oublié ça. Commémoration ça te mettait en lumière tout projet construction un nouveau parc qui pourrait porter nom du sable. Une façon pour continuer honorer mémoire avec héritage li dans ville là. It is going to be at the very mouth of the river and the parc ça pourrait chita dans bouche rivière à Clark là. Donc les moun ak bateau ap rentrer, première image ak premier parc qui pral en face, c'est parc Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Nous espérons dans prochaine réunion nous, plan va finaliser et n'ap gagne un design. Si tout bagay bien passé, nous doit gagne un parc d'ici 2026. Organisation qui lance événement ça, te fait partenaire tout ak Université Illinois dans Chicago pour mettre sous pied un programme boost dans nom du sable. Yon étudiant dans programme ça, te parlé comme ça. Nous avons continué à porter une tradition excellence et engagement dans la communauté pour inspirer les générations qui viennent. Avec ça, nous partageons même engagement à Association Anglaine pour éducation, diversité et service. Sorti dans la recherche dans le laboratoire, nous venons activité dans la communauté, nous avons fait vision Jean-Baptiste Pointe-du-Sable tourner en réalité. Ok, 3, 2, 1. All right. Excellent. Cérémonie est finie sur un marche côté historien Courtney Joseph te guidé plusieurs participants dans une visite bord rivière pendant t'a approfondi connaissance sur l'histoire la vie Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Obed Lamy pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy et n'a dit que côté statut ça côté Noël là li exactement son pont que exactement pont Jean-Baptiste Pointe-du-Sable et gain communauté haïtienne qui est très intégrée ou bien qui vraiment lancé d'emblée pour continuer activité pour faire non seulement reconnaître Jean-Baptiste Pointe-du-Sable comme fondateur de Chicago mais tout œuvre ça te gain dans tête li et après ça à continuer avec et y a une collaboration tout Ville Chicago lui-même tout avec l'autre autorité étatique lui-même cap aider tout dans ça et chaque année il organise un événement pareil ça c'était anniversaire là on le va organiser l'autre événement encore cap venir encore dans jour ou bien dans mois cap venir là encore justement avec construction parc ça finalement te joindre et un côté que t'as semblé que t'as enterré et Jean-Baptiste Pointe-du-Sable qui mon l'autre côté mais grâce tout bas ça et grand pile gros travail que Monsieur a fait toute communauté haïtienne a fait pour Kimbé et rêve Jean-Baptiste Pointe-du-Sable nous rappelons que d'après nouvelle loi qui semble être faite Saint-Marc et qui ont bonjour te prend un bateau de mettre tête dans une destination inconnue et c'est comme ça dans destination ça a terminé exactement dans un côté et côté ça c'est là que t'a pas joindre une tribu qui était déjà et dans zone là et que était venu nommer Pita Chicago et c'est là t'es marié toi avec un blanc tout en plus là nous t'a rencontré mais justement Google et Jean-Baptiste Pointe-du-Sable avec Fondation Nova Jeune, pile d'informations sur Porto Rico, ça qui était pays d'Haïti et que jusqu'à présent, en pile parole, toujours pas de lit. Non, Jean-Marc Abela qui t'a aidé à préparer l'émission avec tous les collègues. Nous, merci, tout le monde, merci, passez bon après-midi. On a parlé demain encore dans la même station. Hey,
la police nationale frappait très fort ensemble avec officiers kenyans. La police frappait dans Bel Air et que plusieurs présumés bandits tombés. Fondi bagala. C'est vrai qu'il y a plusieurs policiers SWATIM qui sont blessés dans cadre opération ça que la police a mené dans Bel Air non. Mais information fait croire que il y a plusieurs bandits tombés. Mais kounya la prétendant la police nationale d'Haïti qui lui-même pral bay plus information qui pral bay plus détails plus données concernant opération qui ont mené dans tête collée avec officier kenyan yo parce que on connaît que population ici c'est Thomas Kelier population haïtienne et c'est Thomas Kelier c'est là yo ouais yo croit et qui en plus moun k'ap gade émission ça qui va dit blesse à mon cher désir ça n'a c'est pas vrai et pas vrai nous pas ouais ça mais non moi même c'est pas moi pour venir montrer nous cadavre et pas moi pour venir montrer nous corps yo c'est la police nationale d'Haïti qui lui même qui arrange lui qui pral venir avec des données pour capable montrer avec peuple haïtien et ben mais opération témené et mais qui ça opération ben comme résultat et pendant qu'il a rappelé zanm yo sous même point ça moi songe que déjà mon ami ou dit monsieur responsable la police a des bagay la police pas qu'à agir même gens avec bandi yo est-ce que nous j'ai ça la police pas capable agir même gens avec bandi yo ça veut dire qui ça si les bandi yo tué un policier les que bandi yo tué plusieurs policiers les que bandi yo mettait chan dans fait la police yo les que bandi yo tué moun les que bandi yo fait un ensemble de actions yo fait vidéo yo fait image yo montre que mais ça au fait la police pas qu'à agir comme ça. La police va faire vidéo pour montrer que un bandit, deux bandits, trois bandits, quatre bandits. Non, non. Et ouais, même image qui était dehors, dans ça qui est passé grecier, hein? Et par la police qui était fait image, qui mettait image dehors. C'est deux membres de la population civile, hein? Qui ont même, après opération, ça que la police a mené, qui ont même, et ont fait photo, ont fait vidéo. Mais par la police qui était fait photo, bandit témoin grecier. Ça veut dire, m'le que moun yo comprenne. Que travaille la police non li pa ka diriger dans même sens avec les armées yo la police va capturer bandi pour la mettre photo bandi de yo comme si a exposé genre bandi a fait là OK faut comprendre ça me dit hein faut comprendre très bien ça m'a dit hein et la police va agir même gens tout avec population civile là population civile là les autres ont bandi les autres ont tout fait ouais ça ou fait si yo balboa calé yo fait vidéo yo montrer tout bagaille mais la police a fait comme ça sinon yo pas laisse ça ne pas parler de la police encore n'a parlé de ou institution criminelle n'a parlé de institution kamoké faut comprendre bagaille très bien mais ça que me connaît des sources que me ka fait confiance des sources sûr que me gagné dans quatre opérations que la police n'a été collée avec officier kenyan yo yo t'a mené Bel Air yo t'a mené dans la ville là gien plusieurs bandits qui va la naissance yo gien plusieurs bandits kalwe baron et la police confirme tout yo gien trois agents SWATIM qui blessés la police dit ça il y a trois agents SWATIM qui blessés mais qui blessés légèrement et qui prend soin qu'a nécessité dans moment pour me répéter la police. Et la police annonce sous peu, avant longtemps, il y a qui pour parler avec la population, pour présenter bilan opération que yo mené. Et la police, à travers différents blindés, à travers différents blindés la police, et différents blindés officiers kenyans, yo, yo continué mobiliser dans Badelma et sous Bel Air pour capable dénicher bandi yo. Et pendant même jour que mardi 27 d'août, laissez-moi dire que plusieurs avions US Force qui portait de matériel encore, qui portait de véhicules blindés, by la police nan, et by un dit officier kenyan yo. Ça veut dire, chaque jour qui passait, il y a de matériel qui a vint joindre et force légale yo. Et d'après ça que nous apprenons, que nous avons fait crédit, nous avons géré ça, nous avons fait information ça, nous avons dit que le gouvernement entend acheter de hélicoptères pour et force de l'audio, et bien le gouvernement prend ça très très au sérieux. Gouvernement prend ça très 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 au sérieux pour que vous soyez capable d'acheter deux sanglés et acheter quatre hélicoptères
pour police, pour force de l'audio, capable de mener des opérations. Il y a des gens qui posent des questions, qui est-ce qui va manœuvrer, qui est-ce qui va guider. Mais non, ça veut dire, la police est capable de guider les gens qui ont loué, qui ont payé avec, qui ont fait ça. Mais elle a dit que, il y a espoir dans la question de leur matériel volant, soit hélicoptère, soit drone sophistiqué, qui sont dans la route, qui sont sur route, qui sont venus et mettre qui étaient ça a venu des Evenes. La situation dans le cadre d'opération que la police militaire qui n'a force d'amis d'Haïti, qui te rejoint support officier kenyan qui est dans le pays, qui veut mener dans Belé, Solino, Badelma, eh bien, premier ministre Dr. Gary Conille, te comporté tant que son soldat. Depuis bien bonnet, pendant l'opération à planifier, il était présent et il était parcouru plusieurs points avec les policiers, surtout pour te faire évaluation. Sous ça qui est pour Blaise Peterson avec l'état d'urgence sécuritaire qui a été déclaré sur tout le pays. C'est l'évaluation qui a fait. À partir d'évaluation, pour plus petit, 15 blindés, surtout dans le nouveau blindé qui rentre dans le pays à Blaise Peterson. Ou qui a remarqué et information qu'on frère nous, Fred, Kelito, Banat et vieux frère nous. Ok? Claude Nader Antoine, te informé que vous avez divers blindés qui ont défilé dans la rue. L'hypothèse qui choye, selon sa moun kap viv nan Cité Soleil, kap viv nan Solino, kap viv nan Badelma partagé, yo di gen plusieurs bandits qui tombé. Malgré que la police, pou jusqu'à présent, poko officiellement di ki sa l pren nan Asli par rapport avec opération sa, mais rivren yo, moun kap viv nan zone yo, ki pa kache information, yo di mon cher, et si pour garçon, gen garçon qui tombé. Gen garçon qui tombé par l'hôpital pour y aller, y a obligé de rester mourir dans base yo. Gen garçon qui blessé mortellement dans cas affrontement. Kounyer gen en pile débat k'a fait Blaise Peterson par rapport avec communication des masses stratégie que bandi yo a utilisé. La police jodi Blaise Peterson, service communication la police a besoin correct pour k'a démentibler travail que bandi yo a fait là. Parce que y a arrangé yo psychologiquement pour affecter l'autre policier qui semble tabou dans l'autre opération tabou mené yo pendant bandi a mouri pa bande pa paquet y a montré que yo fort ensemble casse radio communication chargé que bandi a présenté yo les personnes fait comparaison avec ensemble casse que policier soit yo gen en tête yo avec casse que ils ont 5 secondes pratiquement gagné dans tête li ou après c'est pratiquement c'est matériel nèg yo déposé à terre pour y a faire communication de masse pour y a montrer que yo fort pendant y a attaqué yo très fort Blaise Peterson dans quatre combats que la police a mené et population bat bravo la contentement là ouais la police a prend position ça pour commencer à rentrer dans base nèg yo à l'en fief yo parce que quelqu'un de bandi sous côté pendant dans la rue pas représenter rien mais c'est à l'en fief yo simulation mardi et 27 d'août dans Blaise Peterson li correct et la police officier kenyan yo force la médaille ici besoin continuer avec séance ça pour faire bandi pas ka camper et Boakale après l'activer dans niveau tout pays a même j'ai li annoncé matin 28 et d'août là Blaise Peterson dans département de la Tibonite dans Gonaïve population tout à l'heure pral gagner pour yo fouler béton pour yo défiler pour yal dans la Quaperis et la police déjà dit yo paré parce que la police te répond notification positivement BESAP répond et notification positivement nous voulons parler de mouvement qui gagne matin qui gagne pendant journée dans département la Tibonite dans Gonaïve côté opcal déchouqué bandi kokorat sanction est-ce que la police déjà gagne moyen pour aller est-ce que population et pas oublier dans la Tibonite go paquet civil qui gagne zame qui parle en question gang qui rentre dans bataille. Est-ce que moun sa yo, yo tout yo pari parce que yo di nan bataille indépendance dans soulèvement esclave là c'est pas moun qui te autorité qui te chef tout simplement qui te gen zam te gen de sacrifier nan bita population qui te mette disponible servi à zam yo pour te libérer pays a mariage police population li annoncé pendant journée dans département la Tibonite respectivement dans Gonaïve pour al garder qui ça cap faire avec bandi kokorat sanction bandi kokorat sanction tranche ti bois d'homme Blaise Peterson. Yo continue à faire moun ki nan commune Gomon à monter le ciel bado. Nan journée qui était 27 d'août là. Nèg yo tire coup de zam dans diverses directions dans Gomon, yo fait moun yo couri ki te kayo, sans compter divers moun ki yo kidnappé dans diverses communautés dans Gomon. Jodi an la police nan département la Tibonite, yo pas suspend levé voyo
vous demandez autorité qui n'ont plus au niveau dans l'État, surtout vous recommandez la police, monsieur Normil Rameau, pour pas garder la police en département de la Tibonite en petite part en pause, pour garder au plus bien, laissez ça permettre qu'ils répondent avec ensemble opération. Ben, c'est ça qui concerne scandale corruption dans le conseil présidentiel transition, eh bien, conseiller présidentiel, Louis-Gérald Gilles, qui prend route pour le tal dans l'ILCC, monsieur crié à côté de mon petit. Elle était accompagnée avec collègue li, Emmanuel Ventulaire, avec Smith Augustin. Lui, t'es décidé de répondre à la question ILCC dans la question corruption. Si là. Monsieur a montré qu'elle regrette Blaise Peterson pour combattre qu'elle fait en dedans pays. Et c'est ça qu'elle fait pour atteindre l'image, li, pour finir avec lui, il sentit que ça n'est pas correct. Pendant l'officier Kenyan yo, a bail support avec la police, avec l'armée d'Haïti, dans le cadre d'opération, il y a tout une revendication par autour de cette personne, il fait passer parce que il dit Conseil de sécurité Nations Unies pour qu'on réponde avec salaire qui a été le bail. C'est un article que CNN mettait dehors, plusieurs médias haïtiens et reporter lui, de cette personne, la situation lui paraît très difficile et autorité a annoncé sur Cabrand bagala rentrer dans calme et permettre que officier kenyan en confiance dans quatre travail que on va faire. Godfrey Otunge lui déclaré dans jour qui a venu yo bandi pas bien côté pour y al cacher Blaise Peterson. La famille Mateli dans vrai tout monde, yo n'a couru tout partout à travers le monde. Tout côté au passé, moun a la gachal bare d'yo, moun a dit yo volé, moun a dit yo drogue dealer et bien petite Mateli yo pratiquement regrette que c'est Michel Joseph Mateli qui était papa yo kounya. Par rapport avec chai qui a poté que ou pas connaît Blaise Peterson. En plus là ici a dit bon, yo te manger poids, faut que yo d'accord pour yo ba la pure, nous même nous pas responsable. Et que l'autorité américaine yon prend disposition. Gouvernement, à travers ministre justice, écrit divers ambassades yon pour mander yon pour soumettre yon liste ensemble moun qui sanctionne yon Blaise Peterson. Nous pas connaît qui ça la justice pour le faire avec Toro Gonde qui nan drogue, qui pratique pendant corruption, qui conduit pays à dans situation difficile qui la connaît là, qui permet en pile moun pas qu'avacuer avec activité yon. Dans le pays yon, Blaise Peterson, population mobilisée, on ne peut plus. Pour marcher chercher bandi tout côté oui. Et bien pendant week-end qui se passe là, non opération police population qui fait dans Grandas surtout dans Ansdeno, dans Mahon et dans Damari dans Ansdeno, et bien yo joine yon fusil AR-15 que deuxième chef qui dans gang Moussi Lindora t'a utilisé monsieur Kouri qui était Zamza. Pourquoi j'aime c'est comme ça. Dans Tigouave, opération a mené commissaire Elliot avec commissaire Miskadin. Bon bandit qui en attendait yo dit Miskadin là Blaise Peterson monsieur décomposé c'est l'hôpital yo obligé courir à clé pour le cal reconnaître gagne association organisation parents yo qui exigeait bataille contre insécurité avant l'école relouvri en dedans pays a c'est divers temps yo qui les voyo Blaise Peterson pour mander autorité yo activer volonté que yo gagne pour gagne sécurité pour l'école la cap relouvri dans quatre coins géographiques pays a Blaise Peterson les amis internet. Désir Venesse, je souhaite annoncer ensemble de points même j'ai avec moi que nous allons regarder, nous allons analyser et nous allons questionner Désir Venesse. Jean Campion, nous connaissons déjà et Jean Campion, nous capable de regarder sur les réseaux, sur Internet, là, que la police nationale d'Haïti a annoncé sous page li. Dans tête collée avec l'officier Kenyan, il a mené opération. Nan niveau Bel Air, bien bonnet mathématique qui te m'a dit 27 d'août là. Et yo fait konnen que gagne plusieurs présumé bandi qui tombé. Yo ba bay chiffre. Et c'est vrai que en pile chiffre ka bay la sou réseau. En pile chiffre a bay sou réseau là en pile chiffre. Mais nous même nous seulement a dit que n'attend la police à travers papa la police à Michel Ange Lujeune ou dis-moi est-ce qu'à travers DG la police en Ramon Normil que il a présenté par contre c'est point de presse après lui comme si il va pas prendre question par contre c'est conférence de presse après lui puis pas connait s'il a pas question pas connait mais n'attend que c'est la police là de voix autorisée. Jacques PM Gaï Konite dit que c'est la police nan, qui lui-même dit exactement mais qui sa bilan lié. Maintenant, c'est la police dit toujours, la police confirmé, gain trois policiers
unité SWATIM qui blessé et qui blessé légèrement. Et pour qu'on y a état santé ou stable selon force de l'ordre pour me répéter. OK? État santé ou stable pour me répéter force de l'ordre. Et ça ou dit. État santé moun ça ou stable. Mais qu'on y a moi même ça que m'a dit. Et ça que me comprenne dans ça arrivé. OK? Dans ça qu'a passé ça arrivé. C'est que jodi an là nous ka comprendre que gen volonté la kay autorité nou yo. Alors, m'kablem di volonté ça veut dire que est-ce que ça arrivé à traduire vraiment volonté la kay autorité nou yo, la kay dirigeant nou yo pour vraiment yo résoudre ça gen là comme situation et sécurité. Yeah. Est-ce que vraiment là, il y a volonté réelle, volonté manifeste pour que yo résout sa guerre là comme insécurité? Et pas oublier moi désir toujours dire que sa guerre là comme situation insécurité, il pas daté jodi, il pas existé jodi. Ramoté dans des CPJ comme responsable des CPJ, il connaît un paquet de bagaille de ça. Ramoté déjà la police sous Jovenel, li konnen paquet de bagay. Et li retourne là encore ki donc li tourner dans situation qui vient plus compliqué. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire jodi an ça gen là comme situation. Ça existait là comme réalité an. Faut nous d'accord, il faut nous admettre li que grand pile j'ai fort pour faire. Grand pile action pour poser. Ah oui. En pile j'effort doit fait, en pile action doit poser. Si vraiment nous besoin joindre yon bout. Si vraiment nous besoin joindre une solution avec situation qui existait là. Et c'est vrai des dit bagarre tout à l'heure, gagné service communication de la police non sous direction de Gérard Monomil. Qui besoin faire en pile j'effort. Parce que au coup ça qui arrive là et ouais nan pile information cap ce qu'il est là au des Ibenes côté sacrivé Belair non c'est parce que gien ouf on a dit ça on fly que des Gérard Monomil te fait et ça vient faire que population pas pardonner. Les cultes non point de presse qu'il t'est présenté, il t'est dit que la police tué 104 bandits et que 19 âmes qui saisit, mon était trouvé que un. Et calcul proportionnel n'a pas marché. C'est comment faire que 104 bandits qui mouri et puis c'est 19 âmes seulement qui saisit. Et depuis lors, dès lors mon yo comme si vienne vraiment gain de petit comme si gain de problème. De sa cap dit bon côté force de l'audio. Même comprendre population. On comprend yo oui. Kounia li rete avec autorité yo pour yo regagner confiance population. Ba on ki sa ou pral fè? Ba on ki je pral fè? Ba on ki stratégie pral utiliser? Mais li rete avec autorité force de l'audio. La police nationale d'Haïti pour que li reprend confiance population. Elle dit là la police don bagay pour que moun yo croye et pour pas gagne débat sur ça. On connaît pas facile non parce que ça moun yo a mandé la police ça pour ta, ça pour la police ça ta capable faire pour ta capable regagner confiance moun yo. M'a dit nous ça sincèrement il pas faire comme ça tout non. Et me dit tout à l'heure comme si pour moun yo là la police a que li touye les portes comme si on dit touye 20 bandi touye 30 bandi pour yo même faire côté avec cadavre tout bandi ça mais non li pas jamais ka comme ça li pas jamais m'a prend m'a ni pas par la police et m'a jamais m'a défendre la police parce que même gens tout depuis yo faire affaire par autour après ni mwen ni désir là n'a fini là tout vous comprenez n'a dit ça pour nous dire mais m'le ken comprendre l'écosse autorité ou pas ka agir même gens
avec un monde qui va aucun pouvoir. Même gens que ouais moi des Ibanez, nous c'est deux journalistes professionnels qui étudient domaine non et qui ont un nombre d'années d'expérience. Ou après qu'il débat qu'elle n'a dit avant d'yo nous vérifier. Et ou après tout, qu'il y a des débats qu'il a fait que ou après qu'il y a des gens à balancer débat. Qui a différent avec un monde qui peut être capable ou influenceur, qui peut être qui doit être un commun des mortels. Qui prend la prendre bagarre la balle la gueule comme ça. Mais nous-mêmes, moi des Ibanez, gagne un jeune à traiter et gagne un jeune à aborder dossier. Bon ça pour nous garder. Le bagarre m'a dit encore désir pour me dire que mes amis, pas attendre que la police là pral s'il touye ve combien bandi exemple, il va présenter cadavre toutes les bandits ça dit parce que il va présenter les armes toutes bandits ça. Alors ça oublié. La police pas gen mission touye. Exactement. Faut me connait ça. Moi je connais ça. La police pas gen mission touye. Et aussi une mm-hmm. content de bien après ni Michel-Ange jeune et ni ancien papa la police qui c'est et Gary de Osier, après la tout, les gen bandi tombé la tout malheureusement gen bandi qui mortellement blessé. Yo pa vle obtempérer avec l'ordre que la police intimé ak yo, ça permet nan échange de tir. Légitime défense, parce que nèg la qui avec 11 âmes de guerre dans mer dans moment opération policière l'a cherché à atteindre policière parce que c'est des criminels nés, c'est des criminels nous trois qui oui. Et bien à partir de ça la police utilisait les moyens que li gagnait li pratiquement atteindre bandi yo. Mais totale mission la police c'est pas arrêter, c'est pas étouiller. La police mission c'est arrêter, conduire devant la justice ou la justice questionner, chercher qu'on est pour punir moun si la qui mette yo comme des hors la loi. C'est ça que moun yo besoin qu'on est. La police pas rentrer dans guerre image avec bandi. Si bandi a présenté image soit moun ke le touye, soit un policier malheureusement qui t'a tombé dans opération ou bien des matériels qui t'a lié avec la police va pas faire le même genre. La police a des devoirs. OK? Pour présenter ensemble matériel, ensemble de saisies que yo fait dans base bandi yo, c'est correct. Mais est-ce que la police cap rentrer? Est-ce que dans commissariat yo, direction générale des cimetières, ça il revient directement. Ouais si gen bandi ki mouri, il revient directement avec et autorité qui dans collectivité territoriale yo. Pour prendre responsabilité yo, les cas des magistrats, les cas des casek, les cas des asek, les cas des délégués de ville qui dans zone yo, c'est yo même cap confirmer parce que c'est yo même qui gen droit d'assainissement pour yo faire assainir pour assainir ville yo ou assainir espace yo et c'est yo même cap gen dans force commune yo ou bien dans force commune yo et cadavre qui gen yo pour capable si yo récupérer yo pour capable enterrer yo. Je dis ya, pas oublier que chaque citoyen son policier. Exact. C'est police civile que vous y est. En cas de flagrance, qui dirait 24 heures, ou cap arrêté pour mener by la justice ou la police. En termes de citoyens. Je dis, la police n'est pas gensuel dans quatre coins de l'air. Il n'est pas gensuel dans quatre coins Solino. Il n'est pas gensuel dans quatre coins Badelma. Les au moins 15 blindés déployés dans le cadre d'une intervention. Pour moi, pas même quoi c'est une opération. Pour moi, c'est juste une intervention, d'évaluation, simulation. Parce que si c'était opération,